Séoul, élue par un grand nombre de Coréens, ville plus romantique que Paris. La première fois que je suis venue en Corée, j'ai été très surprise de voir qu'il n'y avait que des couples. Ils se tiennent la main, ils s'habillent pareil, ils vont dans des restos très romantiques. La culture du couple est très présente en Corée, car le mariage est très important et un de leurs objectifs de vie est de trouver sa moitié rapidement. Donc je pense qu'on peut dire que Séoul est la ville de l'amour. Dans cette vidéo, nous allons tester les activités favorites des Coréens lorsqu'ils sont en couple ou même lorsqu'ils commencent à se date au début. Vous allez voir, c'est très mignon. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. T'es content de filmer une vidéo? Très. Aujourd'hui, on va se transformer en petit couple mignon coréen. Il y a du travail. J'essaye de pas être toxique. Je dis plus rien. Première étape, parce que là on a un rendez-vous dans 5 minutes, donc il faut qu'on y aille. Mais première étape, si vous êtes jamais venu en Corée, vous savez pas ça. En Corée, tous les couples sont matchy-matchy. Vu qu'on n'avait pas exactement les mêmes vêtements, on a décidé de s'habiller dans les mêmes tons. On s'habille en mode beige, doux. C'est quoi ta veste? Attends, je vais mettre ma veste. Ça passe? Ah oui, c'est bien. Ok. Devinez où on va pour commencer notre journée de couple. Comment on peut appeler ça? On est un... Bah, faut se trouver couple en coréen. Ah non, pourquoi j'ai dit ça? Couple en coréen. Couple. 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 Il doit y avoir un autre mot. Couple amoureux, je vais mettre. Non mais... On va rester sur couple. Let's go! Devinez où est-ce qu'on va. D'ailleurs, le nombre de fois où je me suis réfugiée, ici, à cause du vent, on est juste en face de la maison. On va chez le coiffeur en Corée. Alors, il y a une vidéo où je suis allée me faire coiffer juste un brushing, mais Jérémy va se faire couper les cheveux en mode petit rendez-vous en amoureux. Désolé, on a fait super vite parce qu'on était un peu à la bourre. Pour tout vous dire, à chaque fois qu'on vient en Corée, Jérémy, il me dit qu'il veut aller se faire couper les cheveux, tester. Mais je trouve que c'est archi risqué, genre moi, j'oserais pas. Et d'ailleurs, je le fais pas aujourd'hui, je vais juste faire un brushing. Ça fait 10 ans que tu vas utiliser un autre coiffeur. C'est un truc de ouf. Il va remplir un petit questionnaire. J'oserais tellement pas déjà, moi, pour avoir un beau brushing, j'avais galéré parce que juste, c'est pas les mêmes techniques qu'en France. Genre, on n'est pas habitué. Alors, on va couper les cheveux. Oh les corps. Cut, il y a. Je m'en ai un buzz cut. Comment tu fais une photo? Parce que c'est pas la même chose. Je peux tenter. Hi. Oh, so pretty. Oh, thank you. Is that your styling? Yes, only your styling. What style do you want? Can I show you a video? Volume. Yes. This? Ah ok. On va voir comment ils arrivent à le refaire, mais je lui ai montré la vidéo que j'ai sortie, c'était une des dernières vidéos, où on voit le brushing que mon coiffeur me fait. Donc on va voir la version coréenne de ce brushing exact, parce que c'est ce que je fais tout le temps. Ils sont super chelous leurs fauteuils, ils sont hyper hauts, c'est trop confortable. Je suis vraiment allongée. C'est bien ou pas bien? Je sais pas. Ah, c'est bien! Surtout, j'ai plus envie de retourner chez toi en France. C'est normal. Quoi? Mon dieu. Mais non, t'es bien. Il fait une coupe de Coréen 100%. Ouais. Je veux comme ça, genre. Ok, on vient de sortir, on a plein de choses à dire. Enfin, moi j'ai plein de choses à dire. J'ai trop de trucs à dire. Oh, putain, ok. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. De début jusqu'à la fin. On peut montrer ta coupe. Vas-y, tourne. Non mais doucement, mais ne monte pas ta nuque. Hein. Bah, tu me dis tourne. Vas-y, tourne. Fais attention toi-même, doucement. Mais mets pas la tête en avant, on voit pas tes cheveux. Ok. Stylé, hein? Je te jure que ça te va trop bien. Là, la différence avec ce que tu fais d'habitude. Par contre, bon, le coiffage après, avec le gel et tout, c'est particulier, mais ça te va bien. Mais en plus, même ça me tue, genre derrière, tu vois pas. Il t'a fait genre une espèce de. Une loupette. C'est genre une petite touffe. Ah ouais, une vraie touffe.
Une vraie touffe, enfin, on dirait un petit hérisson. Spécial. Non, c'est bien en vrai. Ouais. Enfin, genre, c'est spécial, mais c'est bien. Mais bon, le coiffage, c'est une chose. Mais même avant qu'ils te mettent le gel, ouais. Je te jure que ta coupe, elle a jamais été aussi bien. Non, mais il était trop fort. Non, mais je te jure. De toute façon, tu vois les espèces de peignoirs. Ouais. Bon, déjà, ils ont genre des manches, comme ouais. ça. Oui. Genre qui serrent. Oui. Ça, c'est exceptionnel. Donc, il n'y a jamais rien qui rentre. Donc, déjà, il y a ça. Non, mais même le truc pour se laver les cheveux. Le siège pour se laver les cheveux. T'es allongé. Genre, c'est automatique. Ouais. Ça s'allonge automatiquement. Ouais. Je sais pas comment c'est dans ton coiffeur, mais moi, j'ai mal au cou. Tu sais, c'est espèce de. Oui, ça te casse le truc. Le cou, genre ouais. Là j'avais rien. Là t'es allongé comme dans un il lit. Il m'a fait un massage du crâne. Ouais. Un délire. Tu sais que à un moment j'ai dû arrêter la caméra parce que j'allais exploser de rire. Ah ouais. Parce qu'en fait quand il me le faisait. Tu pensais à moi. J'en pensais à toi qui étais en train de te faire shampooiner comme ça et ça m'a fait exploser. Fort, mais il t'a mis les trucs sur les yeux. Non. Mais vraiment genre je pense que ça se voyait à la caméra, j'avais trop envie de rire. C'est ok. Yes, yes. Parce qu'en fait quand je fais des trucs avec Jérémy, je l'imagine dans cette situation est tellement tout le même mal à l'aise que ça me fait exploser de rire. Le mec trop gentil, ouais. Trop attentionné. Ouais. Le seul truc différent, enfin tout est trop différent de la France, ouais. Le seul truc pas négatif mais genre ils y vont fort. Genre quand il m'a lavé les cheveux, déjà c'était un massage. Ouais mais en fait tu sais, moi j'avais demandé l'année dernière quand on m'avait coiffé, en fait c'est un massage pour te faire pousser les cheveux, genre pour activer la circulation sanguine. Ouais c'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que c'est aussi fort. Tondait, ouais, oui, c'était. C'était violent genre, mais moi ça okay. me dérangeait pas, tu vois. Okay. Mais genre tu fais pas ça à un papy. Oui, oui. Et, okay. Et sinon non, franchement c'était exceptionnel. Ok. Genre c'est à des années-lumière de tout ce que j'ai vu et connu en France. Et le prix surtout à et deux alors, là. Le prix. On a payé combien? 44€. 44€ à deux. Jérémy il a une coupe, moi j'ai un brushing et tout. Ça coûte combien un brushing en France? Je fais jamais des brushings. Enfin je sais pas qui fait des brushings. Bah t'en as déjà fait non? Juste un brushing, non, jamais. Je fais toujours, je me coupe les cheveux et tout. T'as les boissons offertes, les gâteaux. Moi j'ai offertes. Pas eu de boisson. Hein. Non, parce que t'as pas demandé. Mais t'aurais okay. pu demander en fait. Ok. Ok, et moi du coup, en gros elle m'a fait. Donc j'ai eu un shampoing. Pareil, genre elle m'a bien massé là, les cheveux comme une ouf. Et en fait, la particularité est à chaque fois ils font ça. Donc déjà là j'ai été smart parce que j'ai dit no oil. Ah ouais. Tu te souviens de cette histoire? Parce qu'un jour j'avais fait un brushing. En fait l'année dernière on avait grave des tournages etc. Donc on avait des coiffeurs, des maquilleurs etc. Et à chaque fois, parce que c'est un truc hyper trendy en Corée, ils prenaient de l'huile dans leurs mains. Et vraiment j'avais les cheveux comme ça. Ils avaient toute l'huile dans leurs mains, ils faisaient comme ça. Ils mettaient et j'avais les cheveux gras mais trempés dans de l'huile. Et genre nous c'est quand même l'opposé de ce qu'on veut en tant qu'Européens je pense. Donc vraiment j'étais dégoûtée et en fait une fois je suis allée faire un brushing, il m'a fait ça donc j'ai dû me laver les cheveux après. J'avais trop le seum. Donc là je lui ai dit direct no oil et no spray parce qu'elle voulait me mettre genre une tonne de lac sur mon M pour qu'il tienne. Et j'étais en mode non souple c'est bien comme ça redescend un peu. Parce qu'en fait ici par contre ça c'est trop bien, ils font un max de volume en mettant la brosse, le fer et tout sur les racines. Donc ça c'est trop bien. Juste devant, moi j'aime trop quand ça fait, tu sais genre, un peu comme ça pour cacher mon grand front. Et là ça le rend encore plus grand parce que c'est un big M. Mais ça c'est vraiment, peu importe chez quel coiffeur vous allez aller, ils font toujours ça. Tu peux montrer le résultat ou pas? Ouais. C'est beau? Ouais, c'est bien, tourne. Ouais, stylé. C'est pas vraiment ce que j'ai demandé, mais ça rend bien. Parce que moi il me fait avec des bigoudis. Là elle a fait juste au fer, d'ailleurs je crois qu'elle détestait mes cheveux parce que vraiment ils ont mis 5 heures à sécher et à la fin elle a carrément abandonné. Genre elle a commencé à me boucler les cheveux, j'avais les cheveux encore humides. J'ai une nouvelle idée, faut qu'on fasse plus de trucs comme ça dans les pays. Ouais c'est vrai. Genre parce que c'est là que tu te rends compte de vraiment comment il est. Genre au Japon faut qu'on aille chez quoi faire tu vois. Putain le Japon moi je le tenterai pas. Faut voir comment. Enfin c'est... pour me faire un brushing oui mais pas pour me couler. Ouais à la limite tu te fais un brushing mais c'est là qu'il faut voir comment il fonctionne tu ouais. vois. Une grande décoloration, ça c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Il y a des trucs que j'ai jamais fait dans ma vie, j'aimerais trop les faire. Franchement je sais pas si ça tirait. Non mais je m'en fous que ça m'aille, je vais essayer une fois dans ma vie. Mais franchement elle est bien ta coupe là. Mais là le. Là t'es bien là. Là le retour. Parce qu'à 40 ans je pourrais plus me permettre trop de dingueries. Oh mais si c'est justement en pensant comme ça que tu veux. Faut que je me dépêche avant d'être trop vieux. N'importe quoi. Là ça te va grave bien hein. On a fait une coupe de K-pop. Ah non, je te prends en photo. K-pop idol. Comme toi, un peu. En vrai de vrai, dommage que j'ai une éruption cutanée. J'ai demandé s'il faisait la barbe, il m'a dit non. Non mais peut-être. Je t'aurais épilé les jambes aussi. Mais non mais peut-être qu'il m'aurait fait, tu vois, il m'aurait tendu quoi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller au Hanok Village. C'était trop bien les premières années, mais là de ce que je vois un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est rempli de monde. Vraiment quand on y allait, il y avait personne. On était tout seul, c'était trop trop bien. Donc on va voir comment c'est. Et en fait, il y a un truc qui se fait beaucoup à Hanok Village que tu n'as jamais fait. Moi, j'ai déjà fait. Hein. Ah, tu as déjà fait toi. J'ai déjà fait une fois. C'est de. Et c'est vraiment un truc de couple. Pour le coup, oui, il y a que des couples qui font ça. C'est de mettre une tenue traditionnelle. On va aller se changer. À chaque fois, ils sont trop mignons. Genre, ils prennent des petites photos. Je sais pas, ils sont trop trop cute. Donc on va aller faire ça. Et là, on va prendre un taxi pour y aller parce que c'est plus
rapide d'y aller comme ça. Et comme ça, vous allez voir le temps qu'on met et le prix qu'on paye. Parce que vraiment, les taxis ici, c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'en France. Du Hanok. Franchement, j'adore ce quartier. En fait, il y a plein d'endroits différents. Donc, il y a en haut, il y a aussi le temple en bas, et là, il y a les petites rues entre les deux que j'adore parce qu'il y a plein de petits cafés, de petits magasins trop cute. Et tout le monde est en tenue traditionnelle. Il y en a partout. T'as hâte ? Je me rappelle plus des tenues des mecs en fait. Je sais comment sont les filles, mais les mecs, je sais plus. Toi, t'es sur une robe. Je me souviens plus. Ouais, j'avais une grande robe. Mais les mecs, je sais pas comment c'est. En vrai, c'est pas du tout, mais pas du tout le genre de choses que je fais. Mais en fait, ce qui est trop mignon, c'est que c'est vrai qu'il y a des touristes qui font ça, mais c'est surtout des Coréens, entre copines souvent, et sinon c'est que des couples. Et là, on a vu sur internet un endroit où tu peux aller sans rendez-vous, et en fait tu loues les tenues à l'heure, je crois, et tu laisses tes affaires. C'est trop bien. Enfin, j'espère que c'est bien d'ailleurs, parce que j'y suis jamais allée. C'est beau, mais on voit que c'est pollué, regarde, la pollution c'est un truc. C'est pas comme ça la finale. Et on voit la couleur, la pollution c'est dingue. C'est un truc de fou, le monde, genre regardez le monde qu'il y a. L'année dernière, on était seuls dans cette rue, c'est dingue. I think this one, yes. J'ai demandé Rose, elle m'a dit quelle couleur tu préfères. Très belle. This one. Yes. Maybe this. Yes. Il est beau lui. Ça. C'est beau. Sinon tu veux une autre, une couleur. Non non non. Du vert. Non non non. Vas-y. Ça c'est beau. Hein. Ouais. Sure. Ouais, okay. C'est beau. Thank you. Jérémy est vraiment très à l'aise. Non mais t'inquiète. Les cheveux en PLS. Non, ils vont tenir. Bah c'est posé dessus. Là c'est vraiment. C'est ça que c'est pour la vidéo. Ah, jamais de la vie de c'est ça. Normalement quand je mets un truc sur la tête c'est que je suis bourré. Ça y est, on est changé. Je suis trop mal à l'aise. J'ai pris rose. Trop beau. Tu sais que j'ai un truc en dessous pour que ça tienne. Ah ouais, trop beau. T'aimes ? Ouais. Elle m'a demandé si je voulais faire une coiffure et j'ai dit non. Alors, en même temps, je suis sortie chez le coiffeur, mais en gros, tu peux te faire. Après, là, on a pris un truc sans rendez-vous. C'est pas le truc le plus wow de l'histoire, mais c'est mignon. Enfin, la tenue est bien en vrai. Mais moi, quand je l'avais fait la première fois, je pense que c'était un truc un peu luxe parce que c'était vraiment dans une petite maison, c'était tout mignon. Là, c'est un truc où tu peux venir sans rendez-vous, tu prends ta tenue, tu changes et voilà. Et toi, tu veux nous faire un OOTD ? Outfit of the day. Tout le monde nous regarde. Vas-y. Parle-nous de ton look du jour. Ah ouais. j'ai un chapeau. Alors moi, j'ai un chapeau. Qu'est-ce que ça peut être ? Un chapeau Chanel. Tenue traditionnelle coréenne. iPhone 15 Pro Max. Tu te sens comment ? Bah franchement, je me sentais bien jusqu'à ce qu'elle me mette ça là et ça. Ah bon ? Ouais, ça surtout ça, je trouve ça très bizarre. Ça me va pas du tout. Ah autant. Non, ça te va ? Autant ? Ça me va pas autant. Tu te fous de moi ? On va voir après ce qui te va autant. Tout le monde va nous regarder parce qu'en fait, là, regarde, il y a personne en habit traditionnel. On est les seuls. Mais non, il y a tout le monde. Ah bah là, on est les seuls. Non mais on monte dans les Hanok. Oh mon dieu, fini ce que nous sommes. Je suis sûrement la seule à respecter la règle. Mais en fait, normalement, moi, je pense que là, il y a trop de monde pour que ce soit respecté, je sais pas. Mais en fait, normalement, dans ce quartier, t'es pas censé parler. Il faut chuchoter pour parler, mais je crois qu'il y a tellement de touristes. En vrai, ça doit être un peu horrible pour les personnes qui habitent ici, parce que vraiment, il y a des gens qui hurlent. Puis il y a Jérémy qui est parlé. Ça, c'est la fameuse rue, en fait, quand on est monté tout en haut. Il y a une vue incroyable, sauf que avant, dites-vous qu'on était seuls. Il y avait des petits chats. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des petits chats. Il y avait juste des petits chats, c'est tout. Nous et des petits chats. Je suis chaude pour pas aller dans la rue du coup. On va là-bas. En fait, il suffit d'aller dans la rue d'à côté et vous aurez la même vue. Regardez. Mais la pollution, c'est un truc de ouf. Un quartier. Attends, je vais pas montrer genre l'adresse et tout. Mais dans un quartier méga touristique, le colis, personne va y toucher. On va se balader, écoutez. Les petites rues, on a pour une heure. Après, on a rendez-vous pour un truc trop bien, mais je vous dis pas encore ce que c'est. C'est notre journée romantique. Mais c'est parce que c'est romantique qu'on va danser. Allez. Allez, salut. Ouais. Comment tu te sens dans ta tenue ? Très bien. C'est très mignon et puis il y a tout le monde qui... Enfin, vous n'êtes pas les seuls du tout.
Je pensais que ça pouvait être un peu ridicule, ouais, genre vraiment les gros touristes de base. Mais non. En fait, comme ils sont tous différents. Ouais. C'est pas bizarre. Ouais. Si on est pas, on n'a pas tous la même tenue. Ouais. Par contre là, il commence à faire tellement chaud et c'est tellement serré à l'intérieur, je peux plus respirer. Je dirais que c'est chez lui, genre, c'est son quartier. Ça va, on te dérange pas? Bah non, tranquille, chez moi là. C'est l'heure de rendre les tenues, malheureusement. On va filer au prochain rendez-vous. J'ai trop hâte. Si vous venez dans le quartier, il y a une boutique incroyable. C'est, je sais jamais comment le dire, sous l'oiseau, ici. Genre là, on a pris les tenues là. Et vraiment, elle est incroyable. J'y vais toujours là, j'ai pas le temps, mais je reviendrai. Ok, prochaine étape. Franchement, c'est le truc qui me donne le plus envie de toute la journée. Je suis trop contente qu'on le fasse. On va faire quelque chose de très... En vrai, c'est ultra trendy. C'était carrément impossible d'avoir des rendez-vous pour vous dire. On va faire de la colorimétrie. C'est trop bien. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu passer ça sur les réseaux, mais ça explose en Corée. On va pouvoir connaître quelles sont les couleurs qui nous vont. Donc, il y a plusieurs stades de... Enfin, il y a plusieurs packages que vous pouvez prendre. Là, on va faire le package vraiment vêtements, par exemple. Enfin, ça me dit les matières. C'est pas que couleurs, là. Ça va être couleur, normalement texture. Et par exemple, est-ce que les motifs, ça te va? Parce que c'est trop, trop bien. C'est par rapport à la couleur de ta peau. Et tu peux faire une version plus. Normalement, c'est pas ce que j'ai pris. Mais tu peux faire, par exemple, pour le make-up, pour les sous-tons, les rouges à lèvres qui te vont. C'est incroyable, les couleurs de cheveux. Je sais pas si là, on va le faire. Mais normalement, il y a aussi couleurs de cheveux. Tu vois, il peut me dire le... Le blond, ça va le t'aller. Le blond, ça tirait trop bien. Ouais. Ok. En mettant les couleurs sur ton torse, tu vas voir dans le miroir direct ce qui te va, ce qui te va pas autant. Ok, on a trop de chance parce qu'en fait, c'est juste à côté de la maison et j'ai eu le temps de pouvoir me démaquiller. Je suis trop contente. Parce qu'en fait, il faut venir démaquiller parce qu'il faut vraiment que ce soit par rapport à la couleur de la peau. Faut même pas mettre de crème solaire ou quoi. Finding the best color which fit in your original face color or your skin tone color or your based on the eye color. Stick it near to your lips. Me too. Of course. I see cool 3 and warm 3 and then I see cool 2 and cool 3. T'as la miniature. And we're gonna check our skin tone colors. Your skin is very bright. Cool 1 and cool 2. Also cool 2 and cool 2 and cool 4. And before we start, we're gonna use 5 colors: pink, red, yellow, green, and blue. And you're gonna stick it. And when I say 1, 2, 3, you're gonna put that one paper completely down on the table. And when I say 1, 2, 3 again, you'll flip it back over. 1, 2, 3. M'arrête de rire. 1, 2, 3. Emily, you look better on the. Can you flip it? Flip back. The first color, because when we check the reddish on near your nose, and it looks a little bit lighter, but when you put on the pink color, that the blemish, red blemish, look more deeper. So we'll check on the warm tones. Si t'es rose et pas moi, je suis nerveuse. Je pense que je suis rose parce que je suis cool. Both colors look healthy on your face, so we're gonna check on both sides. Okay. 1, 2, 3. Moi, je pense que je suis plus comme ça. It's both colors are good on you, but if you had to choose one, the next color looks like if you look in the mirror and if you compare the next color, this forehead part looks a little bit red, but if you put it down, it looks like your skin is very white and balanced. So we're gonna check on cool tones. And for you. The first color looks good on you because if we put on the next color, your dark circle looks a little bit deeper. So one. Yes. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais dis pas que je suis pas rose. Tout le monde. C'est un rose millimètre. Sour color. Jérémy, il est plutôt tout chaud et moi tout froid. Je suis un mec du marron. J'ai jamais porté de marron. J'ai jamais porté de marron. You can wear this color if you want to look more cute. Pourquoi? Si tu veux être plus cute. Ah, cute. Je suis un peu jalouse que tu sois. Du coup, je suis chaud, moi, en fait. Ouais. Faut que j'essaie de quand même chaud. Ouais. Ça va que je suis rose. Si j'avais pas été rouge, j'aurais dû savoir. Là, on va faire. Je crois que c'est. Elle va me faire un make-up rapide. Are you using your lips like pink colors or are you using other colors? Red. Pink and little red. Ah, j'ai joué une nerf. Ouais. Ok, donc moi je suis plutôt rose partout. Plutôt lavande et baby pink pour mes yeux. Un truc que je fais jamais.
sa bonne couleur. Rose. Elle me dit que pour mon visage, il faut que je mette mes cils en valeur. Je me montre des vêtements qui m'iraient bien. Les couleurs. Et les photos, elles sont trop drôles. Ça, pour toi, tu l'as ce pull. Mais c'est pas cette couleur. And should I wear white gold or yellow gold? It's perfect. White? Ok. No, it's more than recommended this color. Ah, ok. Ok, t'as les bons bijoux. Careful about your young one. Yeah. My dream, mais je me mets en gris. Indigo blue. J'avoue, ça tirait bien ça, celui-là. I can use more lighter colors like cocoa brown. Apparemment, je peux faire des couleurs un petit peu plus claires, mais toujours dans les tons chauds. Rose. Try on the different styles. You can use those pink colors. Okay. Moi, je suis très rose et toi, je suis très bleu. Do you have any questions? No. Like for example, like accessories or like glasses or other things. Glasses. I think the size of the lens is this one. Is the ok. Nice. Pas trop gros. Ouais. Ça te va bien ça. Deux bandes là, poudreux rond, yeux. C'est rond hein, quand même. Ouais. Rond comme un ballon. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, c'était grave bien. Elles sont un peu brutes. Ouais. Pas très expliquées en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle me récitait un peu son truc, tu vois. Oui, ok. Mais en vrai, ça m'a aidé quand même. Honnêtement, parce que moi je l'avais déjà fait l'année dernière en Corée, mais c'était pas là. Je voulais prendre rendez-vous là-bas parce que c'était trop bien, mais il y avait plus de place. Honnêtement, enfin la dernière fois quand je l'ai fait, c'était pas pareil. Genre vraiment, j'étais devant la lumière. J'avais un espèce de, comme chez le coiffeur, un tablier blanc. Et j'avais des trucs dans les cheveux. Ouais, donc genre, il y avait rien qui pouvait influencer. Là, tu vois, on posait les couleurs genre sur la table, ça reflétait sur notre visage. C'était pas carré et surtout, moi la dernière fois quand je l'ai fait, je mettais pas les trucs sur moi. C'était la dame qui venait, elle me recouvrait avec tout un truc d'une couleur. Genre tu voyais grave la différence. Et elle m'avait fait les motifs, m'avait fait les textures. Après là on a pris le truc simple, peut-être que ça existe, enfin peut-être qu'ils font hein. Mais c'est vrai que je pense que j'avais quand même plus kiffé la dernière fois, enfin c'était plus pro. Mais bon, c'était quand même cool et en vrai elles m'ont dit un peu la même chose. L'année dernière on m'avait dit que j'étais une meuf du rose et des tons froids. Mais parfois elle disait un peu au hasard. Franchement, il y a des moments. Il y a des moments, genre. Elles savent pas, elles disaient vous pouvez mettre le cool. Après, elles disaient vous pouvez mettre les deux. Vous pouvez mettre les deux. Après, elles m'ont dit warm, mais après, elles m'ont dit j'étais cool. Ouais, en fait, je pense que ça les saoulait d'avoir deux personnes et que du coup, il fallait adapter à chaque fois. Ok. Je sais pas. T'as l'odeur du barbecue là, même à 15h, je dois manger un. Tu veux aller chez Flippers? Bah, je mange pas de sucre. Mais on mange du salé? Je sais pas. Jérémy et son régime sans sucre. Moi aussi. C'est pas très romantique pour notre journée romantique. Qui s'en rappelle de ça? Enfin, c'est pas possible que vous en rappelez pas si vous avez regardé les vlogs en Corée. Les gaufres ici qu'on mangeait, parce que maintenant on fait un régime sans sucre, apparemment. Moi je fais, après t'as dit ce que tu veux. Non, moi aussi. Les gaufres, fraises, Nutella, crème, comprenez ici, mon dieu, qu'est-ce que c'est bon. Moi j'avais prévu un dernier truc pour notre journée romantique. C'est le café? Non. C'était quoi? C'était faire des jeux à Hongdae, il y a plein de jeux trop mignons. Attrape-moi une peluche. Mais plus tard. Tout ça quoi? Ouais, plus tard. Popcorn au beurre, j'adore ça en Corée, c'est trop bon. Et des petits Pringles. On a traîné. On est malade. Moi? Ouais, t'es resté dans la clim. Non. Bon, j'ai une angine, normalement j'ai toujours une otite en voyage, là c'est une angine. Devinez ce que mon mec veut faire pour notre soirée romantique. Cacao. Non mais là dans tous les vlogs où on va être chez Cacao, c'est chiant. Je crois que dans la dernière vidéo j'y suis allée 10 fois. Mais je vais pas le filmer. Ah ok, je filme pas, on se retrouve après. On est dans notre quartier, Hongdae, on va aller, parce qu'ici il y en a plein, jouer dans les... Comment ça s'appelle? Game Center. C'est vraiment l'endroit à Séoul. Ouais. En vrai, il y a beaucoup de couples à Hongdae, hein. Ah que bah, les petits couples de jeunes. Des couples dans tout Tokyo, dans tout Séoul, tu veux dire? Oui, mais je veux dire Hongdae le soir. Ah ouais, de ouf. C'est trop des romantiques, les Coréens. J'aime trop ça. C'est un truc de ouf. Là-bas, c'est un nouveau, ça. En fait, tu vas aller dans le nouveau. Bah, on va dans le nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ils sont trop mignons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Choisir la bonne machine. Bah, elles sont toutes faites pour que tu perds. On fait eux? Ouais. Non, là tu as chopé le rebord. Tu peux essayer? Ouais. Ah. Non mais c'est impossible. C'est abusé, ouais, mais j'ai pas la tête. Non mais Jérémy, t'as vu? Je l'avais attrapé. Non mais c'est impossible. Il en reste une, vas-y. Thank you.
sais que c'est fait exprès. Hein. C'est tu veux que je réessaye? Bah oui, mais tu vas juste faire ton argent. Avance toi. Non, t'es un peu... Oh mon dieu. Oh mon dieu, gère. Je fais comment? Là, franchement, limite, appuie pour que là, ça descende. Non, non, non. Soit je vais tout droit. Je pense qu'il faut que j'aille tout droit. Pourquoi? Mais pourquoi? Il fallait que tu fasses ça tout à l'heure. Je crois. Trop fort. Regarde. Stylé, hein? Vas-y, chope-moi là par là. J'ai confiance. Non, mais frère. Toujours plus. Il est bourré là, le truc. Oh ah, c'est ok, hein? Ah non, c'est pas ok. Mais comment il s'enfonce? Non, mais ça me fait. Ça a un peu trop la tête. Tu peux recommencer? Appuie et rappuie après. Prends une. Genre, là, appuie. Ah, tu vois? Ah, là, c'est bon là. Chope le cul. Là? Non, 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 vas-y, fais ça, fais ça. Là? Non, le cul. Oh putain, le fais pas tomber. Vas-y, vas-y, appuie. Vas-y. Faut appuyer, là, appuie, appuie. Non, il se passe, tu le fais. Je suis pas sûr. Je sais pas casser ton délire, mais. Ah, ah, ah. Après ça. Ouais. Tu peux le faire ? Ouais, bah c'est fini là. Ah. Non, ça me fait. Vas-y, let's go, let's go. Tu peux reprendre une autre ? Ouais. Ça me rend dingue. Là, là, c'est bien. Hein. Non, c'est pas la tête qui fait chauffer. Oh mon dieu! Je suis trop contente! Vas-y, tu voulais faire l'outro, fais l'outro? Ah non, 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 je t'ai dit fais l'outro! Je suis malade, je suis tombée malade! Tombée malade entre 17h et 20h. Tu sens que demain je vais me réveiller avec une angine? Putain, mais j'ai une gueule! Mais oui, t'es malade! Même, on a croisé des abonnés, je crois qu'on m'a jamais dit ça! Elle m'a vraiment dit, t'as l'air toute fatiguée! J'avais envie de crever! Est-ce que t'as aimé cette vidéo? Ouais! Franchement, c'était grave cool. Franchement, c'était bien. Hein. On a fait des trucs, je pense qu'on n'aurait pas forcément fait s'il n'y avait pas eu cette vidéo. Ouais, via le coiffeur. Si le coiffeur, tu l'aurais fait, ça fait 30 ans que tu m'en parles. Ouais, mais là, vraiment, ça m'a forcé. Non, en plus, tu vois, le Hanok, ouais. La colorimétrie, tu l'aurais pas fait, je pense. Non. Franchement, c'était bien. Hein. Ça me donne envie de faire des soins à visage et tout. En vrai, tu peux faire un soin à visage avant de partir. J'ai envie de tout faire, là. Tu peux. Bon, après, je pense qu'à Séoul, il y a encore des millions d'activités qu'on peut faire en couple. Hein. Il y a plein de choses. Bon, écoutez, on espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste des vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. En ce moment, je suis à Séoul et je serai bientôt à Tokyo pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas aussi à regarder sur Insta et TikTok parce que je poste plein de trucs en ce moment. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.